j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve alors pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous ai déniché un petit plan. On va dire merci à Temu qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui. Déjà on va recontextualiser tout ça. Je sais que vous avez beaucoup d'a priori comme moi. Mais c'est pour ça que quand ils m'ont approché pour le partenariat, j'ai longtemps réfléchi. Et après, je me suis dit, je vais tester quand même avant d'en parler. Sachez que les produits, là, je les ai reçus, genre, ça fait peut-être une ou deux semaines. C'est maintenant que je m'assois pour vous faire la vidéo. Parce que, bon, j'ai vu tous les tenants et les aboutissants. Et je me suis dit que c'était le moment d'en parler. Dans cette vidéo, je serai très, très vraie en ce qui concerne la qualité des produits. Temu, en fait, c'est une plateforme, on va dire, de vente en ligne qui va regrouper plusieurs vendeurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une sélection alors qui sera décomposée en trois parties. Une sélection vraiment cuisine et art de table. Il y a une sélection beauté. Et il y a une sélection lifestyle et divers en fait. Donc, je vais vous présenter tous les produits et ce à quoi ils servent, en tout cas pour ceux dont vous ne savez pas l'utilité en fait. Petit disclaimer, pour pouvoir profiter de tous les bons plans que je vais vous montrer, je vous encourage, je vous invite en tout cas à télécharger l'application Temu et à rentrer mon code promo exclusif qui va vous permettre d'avoir tout plein de réductions en fait sur tous les articles que je vais vous montrer et sur tous les articles que vous voudrez commander sur Temu. Voilà. Ce gros paquet comme ça. Et donc je vais vous présenter vraiment tous les produits, toute la sélection en fait que j'ai pu faire. J'ai commandé ces petits bacs à glaçons là. Donc vous voyez que les glaçons en fait ont la forme vraiment ronde. Et c'est super mignon. Moi la première fois que j'ai vu ça, c'était sur TikTok je crois. Il y avait une fille qui montrait comment elle faisait ses cocktails, etc. Et c'était trop mignon. J'ai commandé ça. Donc tu mets dans l'eau. En fait c'est très très facile aussi à utiliser. Et à chaque fois je vous mettrai les prix. Donc tu mets l'eau dedans, tu laisses au congélateur et après c'est comme des glaçons normaux sauf que ça a une forme en fait. Et c'est super super mignon. Donc c'est en plastique comme ça, c'est pas cassable et c'est facile d'utilisation en tout cas. Ensuite il y a ce verre là que j'ai commandé. J'ai trouvé trop mignon. Comme ça. Très instagrammable. Hein. Donc voilà, bon après il y a la protection comme ça. Et voilà, c'est sans manche. En fait, j'ai trouvé beaucoup plus original que c'était un verre avec une manche, en fait. Qui, pour moi, fait un peu tasse de café ou un truc comme ça. Donc, voilà. Vous voyez comment le verre se présente. Et c'est super mignon. Ça va bien aller avec les cocktails. Donc, les glaçons en petite forme ronde que j'ai prise là. Ça m'a l'air quand même solide. Donc, à voir, à tester. J'ai également reçu ça. Ça fait partie de mes coups de cœur, en fait. Quand j'ai vu ça sur le site, je me suis dit, est-ce que ça va venir comme c'est? Vu le prix, je me suis dit, ça va, c'est vraiment bizarre. Et franchement, c'est venu, c'est hyper lourd. Donc, c'est hyper... franchement, ça est très qualitatif. Et c'est trop... Vous-même, regardez comment c'est original. C'est vraiment une tasse de thé, de café, de... Voilà quoi, c'est mignon. C'est grave mignon. J'ai commandé deux. Je sais qu'il y a une couleur café, une couleur blanche. Ouais, donc je pense que c'est ça là, le blanc. Je vais l'ouvrir avec vous en même temps. Ça vient comme ça. Donc, aucun risque que ça se casse en fait, tu vois. Ouais, c'est le blanc, c'est exactement ça. C'est pareil, c'est trop mignon. Donc, un pour moi, un pour mon mari. C'est trop mignon. Ensuite, ça, c'est des petits bols, un peu comme coco façon. Je sais pas si vous connaissez, vous savez. Donc, je vais ouvrir pour que vous puissiez voir un petit peu. Ça aussi, j'avais un petit peu peur. Je me suis dit, ça va venir. Donc, là, j'ai un peu encore ouvert. On va voir à quoi ça ressemble. C'est super bien emballé en tout cas. Donc pour le transport, franchement. Ah, il y a même les petites cuillères. C'est trop mignon. Donc c'est super bien emballé comme vous pouvez le voir. Ah, oh, c'est trop mignon. Franchement, rapport qualité-prix, c'est super bien. En fait, ça, je l'ai... plus pris pour les, vous savez, les petits bowls qu'on peut faire ou bien la glace, en fait des desserts, moi tu peux vendre la salade de fruits à l'intérieur, c'est hyper mignon. Moi le petit détail, c'est la petite cuillère en bois là, j'aime trop, c'est trop mignon franchement. Et j'en ai pris deux, encore une fois on est deux adultes à la maison, donc un pour moi et un pour mon mari.
trop mignon. Franchement, trop mignon. Il y avait ça aussi que j'attendais particulièrement parce que j'avais un petit peu peur de la taille. Mais c'est arrivé super, la taille est parfaite. Bon, c'est un petit mortier comme ça. Moi, je vais l'utiliser en fait pour tout ce qui est marinade. Vous savez, parfois, vous voulez faire des marinades pour poulet, pour poisson, pour la viande en tout cas. Et le mixeur, ça ne fait pas bien. Genre, ça ne va pas bien l'écraser de façon. Donc, moi, je vais utiliser ça. Peut-être, vous savez, le persil, l'ail, des cubes, un peu d'huile. Comme ça, tu peux bien piler et puis tu peux bien mariner, que ce soit ta viande, que ce soit ton poulet, que ce soit... ton poisson, etc. Et ça peut être hyper hyper bien. Franchement, c'est bien lourd, c'est bien lourd. Et encore une fois, le rapport qualité prix, ça m'étonne, hein, franchement. Ensuite, j'ai ce petit accessoire là. En fait, vous savez, c'est pour vraiment je sais pas comment expliquer ça. C'est pour l'ail en fait. Ça se présente comme ça et ça aide en fait à bien écraser l'ail. Quoi. Et ça peut être hyper hyper important en cuisine. Après, je ne vais pas vous montrer également, j'ai une petite déception parce que j'avais commandé des sets de table. Je vous montre l'image, je vous montre ce que j'ai reçu. Pour moi, ce n'est pas la même chose. C'est un petit peu trop léger pour moi. J'aime pas trop en fait. On a une nouvelle recrue, elle ne veut pas me laisser travailler. Donc, on va terminer la vidéo avec elle. Comme je vous disais, les sets de table, là, j'aime pas trop. Pour moi, ce n'est pas vraiment ce que j'ai commandé. Ça a franchement rien à voir. Je suis un petit peu déçue par rapport à ça. Comme je vous ai dit, tous les produits que je vais vous présenter, là, vous aurez les liens en barre d'information. Sachez également que vous avez une réduction avec mon code promo pour les nouveaux utilisateurs et pour bien évidemment ceux qui ont déjà l'application. Alors, on va continuer avec le dernier article pour tout ce qui est cuisine et art de table. Donc, ce sont des petits bocaux, en fait, on va dire pour les épices, pour tout ce qui est... poudre en tout cas en cuisine. Donc c'est des bocaux à épices comme ça avec une petite manchette sur le côté pour ranger la cuillère et une couverture, donc c'est quand même hermétique, vraiment c'est bien bien conservé. Et puis voilà, j'aime bien, c'est très esthétique. On a terminé avec tout ce qui est cuisine, maintenant on va passer à la section beauté. Donc on va commencer par ces petites boucles là que j'ai trouvé hyper mignonnes. Le petit verre avec le doré comme ça, j'ai trouvé ça trop beau. Franchement c'est qualitatif, hein, c'est très mignon et puis voilà quoi. Toujours dans les boucles dorées, on a ces petites boucles argentées là, que j'ai trouvé également très mignonnes. J'ai trouvé que ça sortait un petit peu de l'ordinaire. Désolée, vous allez entendre sa voix jusqu'à la fin de la vidéo. Elle a décidé aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, j'ai l'habitude d'acheter les fossiles sur une autre enseigne, mais j'ai décidé de tester ceux de chez Temu. Et c'est vraiment pas mal. Après, moi, je ne suis pas très fossile, mais quand même, quand je mets, j'aime que ça ne soit pas du tout extravagant, genre que ça soit vraiment léger, pardon, qu'on remarque, mais pas trop. Donc, franchement, c'est bien. Vous savez, quand même, parfois, tu as envie de faire une jolie photo, etc. Ou bien d'aller même à un événement, je sais pas, sans forcément que tu reviennes et que tu aies des faux ongles, en fait, sur le doigt. Donc, dès que je termine, j'ai une séance photo, je place. Quand je termine, j'enlève et ça tient bien, etc. Donc, franchement, super alternatif. Je sais que je vous apprendrai en termes de des faux ongles comme ça, mais ceux-là sont vraiment pas mal. Ensuite, côté beauté, j'ai reçu ça. Vraiment, on n'en a jamais assez. Vraiment. Donc, j'ai quand même ça. Moi, j'aime bien faire ce genre de coiffure-là. Pour moi, c'est très facile.
j'ai pas besoin de grand chose. Tac, tac, j'attache les cheveux à l'arrière. Et pour faire l'arrêt du milieu là, parfois c'est très important d'avoir le peigne comme ça, là. Très fin comme ça. Ensuite, pour les baby hair, très important, la petite brosse comme ça. Et ça, vraiment, c'est pour plaquer tous les gros cheveux derrière. Donc, c'est très important. Et donc, voilà, à voir. Et pour finir avec la section beauté, j'ai ça. Là, j'attendais ça particulièrement. En fait, c'est un petit bac à rangement, en fait. Bac à rangement. Enfin, les rangements, en tout cas, pour maquillage, tout ce qui est boucle d'oreille également. Moi, c'est comme ça que je range. Donc, on va voir ce que ça donne. Allez, voilà. C'est vraiment pas mal. Hein. C'est des petites bacs comme ça. C'est vraiment, vraiment pas mal. Ah, et tu as la possibilité de mettre une sorte de petit poignet devant, un petit peu doré comme ça. Franchement, c'est bien. Hein. Ça va beaucoup m'aider. Je vais le mettre dans la bouche. Puis, on va voir ce que ça donne. On passe à la dernière section, donc lifestyle et divers. Je commence par les paires de lunettes que j'ai reçues. J'ai celle-là comme ça. J'ai celle-là. Celle-là comme ça. Vraiment, j'ai pris des choses... des lunettes très originales et j'ai celle-là. J'avais besoin de coque de téléphone, donc j'ai commandé celle-là. Franchement, ça, j'adore la couleur. J'aime beaucoup, beaucoup la couleur. Et ça m'a l'air résistant parce que c'est un petit peu en gomme comme ça. J'aime trop. Juste la forme, tout ça. Ah. En fait, très hit girl. Et j'ai celle-là aussi un petit peu argentée comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai ça. Vous savez comment, pourquoi je rigole? Pour ceux qui ne me suivent pas sur TikTok, j'ai fait un... Bon, déjà, je vous laisse mon TikTok et mon Instagram. Allez me suivre, c'est important. J'ai fait un petit prank à mon mari, donc je vais vous laisser le lien également en barre d'informations. De toute façon, si vous allez sur mon TikTok, vous allez forcément tomber dessus. Donc, c'était pour la fête des pères. C'est un petit body comme ça. C'était pour ma fille. Voilà. Ensuite, j'avais le petit mug comme ça, dad. Voilà. Et une petite carte. Donc la carte, même on n'a même pas encore écrit dessus. Mais on va écrire un petit mot et puis on va donner à papa. Là, j'ai un petit... c'est un porte-clé. En fait, j'en avais un petit peu marre d'avoir des clés nues comme ça. Donc j'ai pris ce petit porte-clé là, grave mimi. Franchement, c'est hyper mignon. En tout cas, en termes de drap, ce qui va vraiment faire la différence, c'est bien de bien regarder en fait la matière. Donc il faut prendre du 100% coton. C'est la fin de la vidéo, donc en tout cas j'espère qu'elle vous aura été utile. Comme je vous ai dit, vous avez une réduction avec mon code promo, donc n'hésitez vraiment pas, faites-moi des retours, etc. N'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo, de vous abonner à mon Instagram et mon TikTok, et puis voilà. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo, qui sera une vidéo très très utile également. Donc d'ici là, portez-vous bien et puis à bientôt. Bye.